moraju biti spremni na takav način rad. Jer danas se ne može toga koji je doli, da se radi nešto što može ga uništiti na drugi način. Je conçois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui doivent être surpris par le peu de travail à venir. On kaže da je već to, jer predavanje nedavno u Montrealu je bila isto na radu, da puno trenera su bili iznenađeni, da nije radio dovoljno izdržljivost sa igračima. Puno su, na ti način su postavljali pitanja njima desne. Dite, moi, pourtant, à l'origine, j'ai été surtout, comme beaucoup de gens de mon âge, s'appuyer essentiellement sur Trial Olympique. Les joueurs que j'ai eu il y a 20 ans faisaient des 8 km pour faire du handball. On kaže u skoroj prošlosti, njegovi igrači, i on je trenirao isto u prvu ligu, u francusku ligu, onda se poslije specijalizirao na to, kaže, njegovi igrači su trčali. Kaže, to je bilo prije 15 godina i 10 godina, na pripremi počeli sa 8-10 km, to bi se trčalo na sve strane. La musculation et le travail aérobie, mais ça va nous prendre tout le temps, donc on va passer... Kaže, vrlo malo vremena imamo, da bi mogli objasniti sve to okrenje, zašto je promijenjeno. Il y avait néanmoins, dès ce premier stage, 3 séances de handball. Et pour ça, je vais vous dire un peu plus tard. Quand j'ai eu le premier service, il y a 3 rouges à travers ça. Mais c'était surtout de la motricité pour mettre tout de suite en relation sur le terrain le travail physique qui était fait. Quand j'ai eu le premier service, il y a 3 rouges à travers ça. 80% de la rouges est basé sur la coordination. Mais quand j'ai eu la motricité. Znači, koordinacija, da se stavi malo jedan određeni ritam, rukom. Nisu željeli na terenu da budu neko ko će prenositi neke stvari, htjeli su da se igraju. Možda je možda napisati? To je drugo samo. Nisu htjeli da na terenu da izgledaju kao bilderi, nego su odmah da ih se stavi u glavu, da ih taj mišićni... Da ugrade u rad, da ugrade isto, da mišići počinju razmišljati. Ne bude to mrtvo, stereotip koji je jako. I taj nervni sistem da se stavi u servis jedne ideje. Ne sad tamo da bude uradnje, bitanje i ovdje. Da miši počne nije razmišljati. Malo glupo je, pričali to, to mi je tako žarno, kad pričali u nas, mišić mora biti pametan da bi ga iskoristili maksimum. U nivou de la musculation, vous apercevez qu'il y a donc 5 séances, elles sont quasiment les 5 identiques, il n'y a que les charges en pourcentage qui vont varier. Quand j'ai une pète puta, on va essayer de faire une musculation. Quand j'ai tout et pète puta, tout pour nous, ça m'a dit dose et radic. Il y a un coup, c'est radic. Michel Perecenia, il y a un coup, c'est radic, ça m'a dit. Je distingue deux petites différences entre le haut du corps et le bas du corps. Kaže, napravio jednu malu razliku između gornjeg tijela i donjeg dio tijela i donjeg dio tijela. Au niveau du bas du corps, il faut être en permanence sur le développement de la puissance, mais dans l'axe vitesse. Znači, ovaj donji dio nogu, sve radi na snazi, ali na nekoj eksplozivnoj snazi koja će ti omogućiti da šta prije kreneš, izađeš iz tog stavlja. Šta prije da se oslobodiš te snage, da dobiješ na brzini nešto. Par contre, au niveau du haut du corps, ça nécessite un petit développement plus important de la force par rapport au comportement défensif où il faut être hyper solide pour se protéger. Et ce qui est le deuxième dio tira, le gornji dio tira, radije juste na snazi, ne na onoj eksplozivnoj snazi izbačaja, nego juste za onoj zaštitnoj snazi, da bi se zaštitio, da bi stavio, oni kažu confiance, da bi
rukometašim igračima, da bi došao neko, neki stadij zadovoljstva, da može primati udarce i da ga te udarce ne, da mu ne smetaju. Ja se više zaboravio na stručno, šteta, ali da nađete jednu pravu riječ, znači, gornji dio tijela nije spremao da daju bolove, nego ih je spremao da primaju udarce. J'essaie d'entrer dans les détails, c'est pas possible. J'essaie d'entrer dans les détails. Quand j'ai appris, j'ai pris jamais mort. Bon, peut-être que c'est génial. Il y a ce génial, il y a peut-être un prenez-en tout. Le détail est vraiment dommage. Les petits détails, ils peuvent rester. C'est bien. Quand j'ai d'autres. Alors, je vous montrerai une photo après, mais le travail que j'ai opté en stage, il est fait de montée de banc. Quand je pokažu na sliku, na primjer, ovo je penjanje na stol. Mais avec des charges maximales. Sa maximale charge. On travaille de manière dissociée jambe droite et jambe gauche. Quand j'ai raté, jedan put lijeva noga, jedan put desna noga. Le joueur enchaîne. Znači, igrač prati. 5 montées de jambes. 5 puta. Il enchaîne immédiatement derrière. Znači, 5 puta ima istu nogu. Odmah kreće. Sur une jambe, sur la jambe gauche. Saut sur un plinth. Znači, radi ovo. Pa odmah, posle toga ga slijedi ovaj drugi rad. Pa 4 puta se, piše doli, kako su, 4 puta desna noga. Faut que cet enchaînement se fasse dans le temps le plus court. Ovo mora da se napravi za vrlo kratko vrijeme. Znači, samo jedno za drugo mora da ide. Travaille en stesa jean froid. I poslije kad se vraća radi desno ili lijevo. Lorsqu'il a fait ces deux enchaînements, il finit par de la pliométrie. Kad završi ovo, radi pliometriju. Znate, kad radi malo... Cet enchaînement, ça fait une série. Znači, to je jedna serija, kad ovo ideš, jambe gauche, jambe droite, c'est serija. Tout ça, c'est une série. Znači, lijeva noga i desna noga, to je samo jedna serija. La récup, donc pendant le stage, ils enchaînaient 6 ou 5, suivant les jours, séries. Zavisi od dana, ili 5, ili 6 serija radi svakog igrača. 5 ou 6 séries. Ah oui, entre les séries. Između serija. Fallait une récupération complète. Znači moraju potpuno se vratiti, odmoriti. Il faisait du gainage. Da, sad radili na jačanje tog mišića, to pokazat ću vam. Poslije gainage, ono mi zovu Francuzi. Voilà. Gainage, donc, avec sollicitation des muscles profonds sur les chaînes, musculaires, et coordination. Znači, oni u gainage, cilju masu, sve mišiće, na tijelu moraju solicitirati, znači moraju sve mišiće, sve i ramena, i stomaka, i donjeg dijela stomaka, i nogu, i sve mišiće moraju biti u radu. Znači, u jednom momentu on natjera, pričamo o mišićima sad, on natjera mišiće da budu jaki, izdrživi i pametni. Znači, u jednom momentu posle ovog rada, on dolazi u jednu poziciju njegove mišići, a naročito radi, ne radi ove, radi malo na ukrštenju ponašanju, znači ima kasnije kako se to radi. I u tim momentima... Ako sam jak, au niveau du quadriceps, mais que j'ai pas des soutiens profonds, la transmission dans la technique, elle va pas s'effectuer. Je vais être fort pour soulever un sac de sable, mais pas pour transmettre une impulsion. Alors, kod njega, dans la razmišljanje dosta, ako sam jak na nogama, ako moja trbušni mišići nisu dovoljno jaki, ja ću moć krenuti lijevo desno, ali neću moć završiti kako treba u moju ideju. Znači da promijenim zadnjeg gore lijevo desno, zato u tom momentu on ulazi u razmišljanje,
nastavku rada i njegove mišićne skupine. Pa da li to ide na suprotni mišić ili na leđi ili na rameni, to, znači na tome je dosta razmišljao. Deuxième série de travail, c'est sur le pullover, c'est-à-dire l'éjection. Druga serija rada, radi malo na brzinskom izbačaju. Et à cet atelier, ils enchaînaient toujours pareil, le principe lourd, léger. To isto se radi, ali na principu da jedan dio radi sa opterećenjem, jedan sa manjim opterećenjem. Sauf que là, on n'est pas en effort maximo, au niveau maximal, au niveau du pullover, par précaution. Na tome nikad ne idemo na maksimum. Znate radi čega, za taj period, ne daj može da se neko povrijedi, uvijek se mora računati na to. À combien pourcentage? Non, ils travaillaient entre 25 kilos et même Gilles 32-33 kilos. Ah, c'est-à-dire entre 25 et 25 et 35 kilos maximal. Il n'y a ni comme désolé à l'aide de pour le mission. Plus éjection de médecine ball et dans la récupération entre guillemets. Yosh, Christophe Castral, allez, sa médecine qu'on va qu'il a. Et là, pendant le temps de récup. On est loin de la trichastrique à Zagna. To je odmor. Znači, travaj eksplozivnosti i koordinacije. Znači, četiri puta oni bi izbacivali, radija bi koordinaciju i eksplozivnost, a to mu je odmor. 40-50 kg, onaj ko diže 90 kg. Troisième, ah, le gainage. Ça, c'est le gainage. Ouais. C'est limité, dis-donc. Hein. Alors, toi, le gainage, après, là, t'as tout privé que toi, les rades. C'est une vidéo, mais je sais pas. Quand un rade que j'ai primé, il y a d'un au toga qu'on primé, on cache, t'as gainage, on prévoit que l'amène est 2-3 sata. Samo na tome da se radi, razmišlja i zanimljuje, da bi se to sve, da bi se ušlo u detalje. Donc pour être fort en défense, travail de développé couché. Znači da bi bio jak, moraš raditi, moraš na guranje. Alors pareil, 6 séries, entre 85% et 90%. Znači dizanje, a on leže čestav, ne smi biti više od 85%. On je to radija snima oko 85% od maksimalne snage, koji on već sa testovima napravija prije toga. Plus traj de tiraž, avec izometri. Onda, isto vučenje, ista stvar, samo obrnuto vučenje, isto, ali samo 80% od snage. On travaille les fixateurs de omoplat, qui sont le dos qui est fondamental, presque fondamental pour développer couché. Za njega je leđa su isto toliko važna, koliko ovaj prednji dio grudni koš, znači onda bi, da bi se to izjednačilo, da bi glava bila dobro na ramenima, mora i ovaj zadnji i prednji višnji knjeg. Tu mora biti isto oprilike jak. J'avais pas de petits croquis, mais lorsqu'ils travaillent sur cet atelier-là, ils font du travail à l'élastique sur les rotateurs externes, excentriques, etc. Et ça, la même astique qui est très bonne à mettre en ordre, au taille de période, ils sont venus de marailles. Combien de temps tu laisses pour se reposer après l'essence comme ça? 5 minutes. En excentrique en particulier, sur tous les muscles freinateurs. Quand j'ai. Et là, c'est qui est vache, comme on l'a dit. La salle de musculation qu'on avait fait monter en altitude. Donc, il y a un slick, comme on dit, ici, on dit. La montée de banc sur 4 fois jambe gauche, c'est une montée dynamique. D'ailleurs, le joueur doit monter de manière hyper dynamique avec une charge maximale. Donc, il y a un slick, on pokazuje gesto, to je penjanje. To je penjanje na taj stol. Gdje on mora sa maksimalnim opterećenjem, da se ta prije digne na stol. Znači, on je u isto vrijeme radi na eksplozivnosti, znači moraš se dignuti, radi na izdržljivosti mišićnog trupa i treće, radi u isto vrijeme na ravnoteži.
era kod tog one a pomišićine drže dobro, ako podignete, ja vam mogu reći, kad stavite na leđa 40 kila pa se dignete tako, ako niste dovoljno jaki, ode na zemlju. Ali to ne radi maksimalno, neko radi sa 90, neko 95, neko 100 kila ili ode se. Vous remarquerez que les pins ne sont pas les deux à la même hauteur. Comme les sauts doivent être maximaux, comme les sauts derrière, le joueur enchaîne 4 sauts, un pied sur le banc, sur le pin. Après le joueur, quand il termine toute la musculation, en saut, sans obtérecenia, spoche la taille. Mais comme la qualité des joueurs n'est pas la même, les joueurs très très forts, I grači jaki krenje s jednom nogom, on se digne bez problema i okrene se. Neko ko je loš kao Cédric Bourdet, on mora sa dvije noge skočiti. Voilà, pokuša da dođe na to visinu. Donc on individualize de manière à être que tout soit sur des sauts maximum. Znači, on je izračunao. Zato ima različitih visine, različitih visina od ovih plitova i izračunao koliko svaki mora skakati po plitu. Koliko, opet vraćamo se na ono, znači koliko treba platiti, ja se izvinjavam, koliko treba platiti sa svojom snagom da bi došao na taj nivo rada. Donc on va, alors, on va passer, donc ça vous avez compris, la musculation. Ce qu'on faisait tout à l'heure, on va poser des questions. Kaže, to je prilike rad koji on radija na muskulaciji sa njima, da bi doveo na jedan određeni nivo. Znači, malo drugo, nema toliko izdržljivosti, više snaga, eksplozivna snaga. I sad će prići na ovaj drugi dio, da vam pokažu prilike. Là, c'était une image des moments de rupture. Donc, si vous vous rappelez où elles étaient placées, la première rupture, c'était une rupture aérobie, VTT. Ça doit être une position de subilité très durable. Daniel, quand vous avez vu l'opérationnel, et ça sera comme un bilan bicycle, vous avez vu la bicycle. Celle du milieu du stage, elle durait toute la journée parce qu'il y avait déjà un gros facteur de fatigue. Ovaj drugi dio je bio na sredini priprema, jer već bile su 3-4 rada, 3-4 dana teškog rada i odlučio je da cijeli dan provede u nekom drugačijem radu sa igračima. I da, ils ont fait de la diaferata, c'était pour l'aspect mental et la cohésion du groupe. Odlučio je da ide, da se penje po ovim planinama tamo, čisto da mu posluži, malo da se odmori, i da ih to zbliži i psihološki da ojačaju malo, da se osjete malo strah na tim stvarima i da vide dokle mogu gurat, dokle mogu ići, da se ne uplašaju. Le deuxième stage était programmé à Dunkerque. Znači to je prvi staž, drugi, kako mi je žurio da kontroli to staž. Znači, poslije ovoga svega što ste vidjeli sad, oni su se otišli su kućama 3 dana. 3 dana su išli u kući i poslije 3 dana skupili su se na sjeveru Francuske, jedan grad koji se zove Dunkerque, koji je uz more, ali ne ono dalmatinsko, nego ono sjeverno, tamo gdje je hladno i vlaga i kiše, bura, ne bura, nego što je. Donc si vous regardez en bleu ciel, ce sont les séances de handball. Kad gledate u plavu, to su rukometni trenizi, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Avec une rupture en milieu de stage, ici, repos, massage. Znači na sredini, vidite, to je bilo u petak, kad njih to vadoni, odmor i masaž, a samo jutra na treni. Et vous apercevez à nouveau que le travail physique qui venait se greffer à ce stade. Coordination, vitesse et gainage. Il y a un ajoutato, travail de coordination, brzine et gainage.
et le cerveau de musculation, mais qui a une particularité parce qu'elle se passe dans la salle de handball. Je vais vous montrer une petite vidéo. I dvije seance na polju muskulacije koje je napravio u sali za rukomet. Nije otišao u salu za rukomet, nego u sali za rukomet. On će vam pokazati sad otprilike kako napravio sliku od toga. Donc la salle de musculation, on amène du matériel de musculation des jambes, des barres. Znači, voilà. Tac, je vous arrête ça par là. E to je ugradija na trenis. Sve smo pripremili na terenu. Donc, moi j'appelle ça de la musculation spécifique, c'est-à-dire axée essentiellement sur le transfert. On to zove specifična musculacija. Le joueur koji mu služi uniformu za da pravi neki prelaz, neki transfer. Transfer se to kod nas to zove neki prelaz iz nečega u nešto. Sad će reći da? On reprend l'exercice de montée de banc znači, avec des charges maximales. Et ça, malo je različito. On radi to isto dizanje kao što je radio do sad, ali sa maksimalno snagom, maksimalno opterećenje, Dès l'instant où il a enchaîné, c'est souvent 4 répétitions znači, sur chaque jambe. 4 répétitions svaka noga. Il fait 4 sauts maximales. 4 skoka maksimalna. Et il finit par des sauts doués plus un 1 contre 1 et un tir contre un gardien. Znači, on pričamo o transferu, znači on počinje ugrađivati, je vais expliquer le souhait, qu'est-ce que tu as souhaité là-dedans. Vidite, on pokuša ugraditi jednu ideju na terenu, da igrač mora biti jak, čvrst, da njegov rad se mora nastaviti, da nema odmora, i da ima ono, on je dao je tome ime kao prelaz, znači od početka do kraja akcije ugradija jedan određeni ritam. Znači on počinje sa tim skokovima, počinje na doskoku, poslije toga ima na male prepone i završava sa šutom, golman igrač. Znači on počinje već natjera igrača da razmišlja, gura ga. Znači više nije samo 10 sekundi ili 15 ili 30, sad je kontinuitet radi. Le joueur dans sa séance, alors entre les séries, il en fait 5. Pet série, pravi. Mais dans chaque série, quand il a fait un tir en état de fatigue, il refait 3 tirs à son poste, sans fatigue, sans charge. Donc ça fait une série égale 4 tirs. Znači, on bi natjera...